des îles au centre de la France. Y'a un bar tabac qui n'a même pas de nom. Y'a des hommes qui discutent et qui jouent aux cartes. Ils se disputent, ils flanquent des tables. Et c'est bien quand même. Et dans ce bar s'égrènent les heures. On tue le temps comme on tue un moustique. À la terrasse, ils boivent du pastis et du rouge. Ils attendent tous un bel accident. Y'a jamais, non jamais rien qui bouge. Et à la radio, y'a un air qui passe. Il est vraiment nul et sans intérêt. Personne sait qui c'est, mais tout le monde le connaît. Y'a même un gros qui tape du pied en bougeant les pièces sur le damier. Ça parle du boulot, de tout, de rien, même de la météo. Devant une shopping, on raconte les potins de la petite copine, du fils du père matin, qui n'est pas allé travailler ce matin. Ce petit bar de la France profonde, on flanque tout par terre les valeurs éternelles. Et on râle contre le gouvernement, même s'il change de temps en temps, un peu plus vite que tous les 7 ans. Et à la radio, il y a toujours le même air qui passe. Il est toujours nul et sans intérêt. Personne ne sait qui c'est, mais tout le monde le connaît. Y a même un gros qui tape du pied en remuant les pièces sur le damier. Ça fait. Il faudra rentrer pour manger des nouilles, regarder la télé, les résultats du foot et du tiercé. Après ça, il faudra aller se coucher, faire de beaux rêves comme les bons Français. Puis le soir s'endort sur les rues désertes. Y'a un chien qui aboie, une auto qui passe sur la place du marché où il n'y a plus de marché. Depuis qu'il y a un nouveau supermarché, un beau supermarché. Et à la radio, il y a toujours le même air qui passe. Il est toujours nul et sans intérêt. Personne ne sait qui c'est, mais tout le monde le connaît. On aime un gros qui tape du pied en poussant les pièces sur le damier. Ça fait.